C'est magnifique. Salut la team, on se retrouve aujourd'hui, Johan, pour Cars & Nio sur Instagram. Je vous laisse le petit lien en bas, n'hésitez surtout pas à aller regarder ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une superbe machine qui va vous en mettre plein les yeux parce qu'elle est très très belle et elle est très très colorée. C'est la propriété de Julien qui va se présenter rapidement. Et ensuite, on passe à ce qui vous intéresse vraiment, à la voiture. Julien, on t'écoute. Salut. Ouais, bah moi Julien, donc j'habite à Bordeaux et j'ai cette Huracan depuis un an à peu près. Ouais. 580 que j'ai acheté à Lyon parce qu'à l'époque il n'y avait pas de concession à Bordeaux. Acheté à Lyon, d'accord. Acheté à la concession de Lyon, ouais, c'est ça. Donc voilà, 5000 km, elle est neuve. Verde Itaca, c'est le modèle propulsion, donc deux roues motrices seulement. Ouais. Les jantes d'origine, quelques petites options par-ci par-là, mais sans plus en fait, un modèle assez. Config assez de base quoi. Assez de base, mais avec des jantes assez de base monstrueuses en fait. Les jantes, c'est les carrés 19 pouces, donc c'est les jantes de série en fait sur cette voiture. Ouais. Avec des étriers silver parce que pas dispo dans la couleur de cette voiture qui est vert des Itaca, qui est un vert assez. C'était plutôt le vert des Gallardo et des Aventador. Ouais. Et sinon, ouais, ça aurait fait deux verres différents, ce qui aurait été pas horrible, ouais. D'accord. Mais là, les jantes sont monstrueuses. Tu m'as dit que tu étais en 19 pouces. Ouais, non, il y avait des 20 en option. Mais ouais. J'aurais bien aimé d'ailleurs les Mimas, mais franchement. Et en 305. En 305, c'est monstrueux. 305, ouais. Et oui, donc le gris finalement en fait se marie très très bien. Les jantes, ça tranche bien avec le reste, voilà. Du coup. Non, et ça va, et ça va super bien. C'est cohérent, je trouve. Et les jantes sont magnifiques de toute façon de base. Ouais. À l'arrière, configuration. Capot moteur transparent, quoi. C'est la grosse. C'est la grosse option, gros choix. Ouais, t'as le choix avec les bandes, enfin, tout en plastique noir ou alors le capot. Ouais, entièrement recouvert en fait, voilà, avec ça. Ouais. Ou alors tout le moteur à jour. Ouais. Donc là, j'ai trouvé quand même que là, ça faisait une grosse. Et ça, c'est magnifique. Et du coup. Et du coup, t'as la baie en. Bon, on ouvrira tout à l'heure. T'as la baie en. La baie qui est en carbone. Carbone forgé, voilà. Ah, et ça, c'est absolument magnifique. On le voit. J'espère qu'on le voit à l'écran, mais en fait c'est pas du carbone tressé comme on voit habituellement, c'est du carbone ce qu'ils appellent forgé, et c'est absolument magnifique. En tout cas dans cette config là, qui tranche bien avec le vert, c'est vraiment vraiment superbe. Après c'est le genre de détail qu'on voit pas de loin. Exactement, ou quand on n'est pas connaisseur, mais en tout cas c'est superbe. De derrière. La troisième plaque donc. Après des petites mésaventures voilà. avec les forces de l'ordre. Monsieur va être obligé de se mettre en règle. Ouais. Plus ou moins. Mais bon, on va passer là-dessus. Possible. J'aurais bien aimé par exemple la possibilité d'avoir un diffuseur en carbone. Le diffuseur en carbone. Ils font pas ça. Tu me disais en pièce origine Lamborghini, ouais, ils ne font pas. Non, okay. Ils proposent pas ce genre de. Chez Aston, Donc le diffuseur est en plastique, ouais, brut. C'est la voiture qui est en carbone pour le coup. Donc. Ouais, oui, en même temps, oui. Avec la caméra de recul. Et les radars également, en fait, il y a les deux, t'as les deux. Oui, il y a les deux. Ce qui, oui, ce qui sur une voiture à ce prix-là se justifie. C'est bien utile. Plus que sur une Fiat 500 en ville qui coûte rien. Mais franchement, sur une configuration comme ça, les détails sont magnifiques. Toutes les aérations, enfin tous les reliefs et autres, les bouches, ça va refroidir le moteur. C'est une des bouches qui refroidit. Ouais, là en bas, pareil. Qui est là ça va refroidir derrière ici directement tout ce qui est freinage, enfin tout le disque et autres. Franchement, c'est magnifique. Les poignées sont sympas. Les poignées sont absolument magnifiques. Voilà, rien à dire de plus. On vient appuyer là, on la prend. Franchement, c'est terrible, mais au moins ça dépasse pas ni rien. C'est très beau. Les rétros sont magnifiques aussi et ils ont une forme très particulière, mais ça s'intègre tellement bien, ça fait pas verru, ça fait pas un truc rajouté. Franchement, c'est magnifique. Il est vraiment très très beau dans cette config. Et donc ce qui permet de distinguer cette voiture, c'est l'avant. Ouais. Ça la distingue des autres modèles de Huracan, c'est que celle-ci c'est la propulsion, 580 chevaux seulement, pas 610, pas 640. Du coup, ouais, on aime, on n'aime pas, c'est pas pareil quoi. C'est un petit peu plus grossier, je dirais, l'avant. Oui, ça fait 3 entrées d'air au lieu d'avoir un petit truc un peu plus affiné quoi. Mais... Ouais, bah écoute, moi je trouve pas ça choquant. Non, mais dis pas que c'est choquant. Mais et je trouve pas ça inesthétique pour autant non plus.
c'est normal, mais bon, c'était, là, ça devenait cher. Ouais, après, ouais, c'est... Il y a une énorme différence de tarifs sur les... Ouais, celle-ci était 30 000 de moins que la 610, qui était la Huracan. Ça commence à faire. Ouais, voilà. Ouais, ok. Et la performante après à 240. On est dans cet ordre de prix là, effectivement. Ça commence un peu à piquer. Tac. Et moi, ce que j'adore là, c'est quand on se met ici là. Cette face, mais elle est tellement agressive. Elle est vraiment à ras du sol. Elle est vraiment, vraiment dingue, je trouve. C'est vraiment magnifique. Les feux, les phares, tout, enfin les moindres éléments en fait sont beaux et s'intègrent super bien. Les phares sont complètement dingues. Full LED. Avec une signature lumineuse qui est juste dingue. Moi, les premières fois que j'avais vu les images là, quand ils avaient sorti les vidéos de présentation, les teasers et tout là sur la voiture, jamais vu. Mais si un jour je dois en avoir une, c'est la Huracan en fait. Ça largement les phares de la Huracan à ceux de l'Aventador. Ouais, ouais, grave. Je les trouve vraiment plus agressifs. C'est ça. Ah oui, et puis ils sont vraiment vraiment beaux. Tiens, on va faire un petit truc juste. Je te laisse la caméra une seconde pour que vous rendiez compte en me filmant par rapport à moi la taille quand je suis à côté de la voiture debout. Voilà, la voiture m'arrive là, en fait. Je vois plus d'image. C'est normal, regarde. Mathis m'envahit de temps en temps. Ça va. Normal, tu veux m'en voir. Donc la taille de la voiture au plus haut, hein, je crois que c'est ici, ouais. Elle m'arrive là. Donc bon, je suis 1m88, d'accord. Mais quelqu'un qui est plus petit, forcément, ça arriverait encore plus haut. Mais elle est vraiment, vraiment posée par terre. Elle est incroyable. Et quand on rentre dedans, elle est encore ouverte. Alors, ça va se faire. Nickel. Et regardez, hop, tu peux venir, tu peux te rapprocher. Hop. Nickel, merci beaucoup. Et quand on rentre dedans, vous regardez en fait entre le sol et le fond du siège. Franchement, il y a quoi? Il n'y a pas 30 cm. C'est... Parce que le siège, le fond du siège est plus bas que le rebord de... Enfin, que le passage en fait pour rentrer. Et le sol ici, sous la voiture, il y a quoi? Il y a une main, voilà, il y a quasiment rien. On va dire qu'il y a une deuxième main là, voilà. Et le siège est plus bas que ça. C'est... Donc on a vraiment clairement le cul posé par terre quand on est dans cette voiture. Et c'est juste impressionnant en fait quand on roule. C'est vraiment, vraiment spécial en termes de sensation. La finition est magnifique à l'intérieur. On est en Alcantara. Gris, noir. Alcantara noir et ouais. Surpiqûre verte. Ouais. Verte fluo, les surpiqûres, ça va très très bien avec. C'est, ça finit en fait, c'est juste le truc, la finition en fait parfaite. Le petit seuil. Tu veux faire le truc si tu veux là. Comment? Tu veux faire le truc peut-être pour la... Ouais, on peut... Oui. Hop. Le seuil là, il est superbe. Hop. L'intérieur, évidemment, est super propre. Tout en Alcantara. Franchement, les bouches d'aération, enfin tout, franchement, c'est... Les sièges sont absolument magnifiques. En baquet. Mais ils sont très confortables, donc cuir Alcantara. Toujours avec les surpiqûres vertes. Ouais, siège de série. Ouais. Siège de série, donc ça franchement... Faut hésiter, les sièges sport carbone sont juste magnifiques, mais sont... Enfin, je pense 50 km dessus, c'est une heure d'ostéo. Ouais, c'est ça, ouais. L'ostéo, ouais, si l'ostéo est compris avec, ça va. Ouais. Sinon, c'est compliqué. Mais ouais, non, franchement, c'est top. On va aller regarder vite fait de l'autre côté, côté conducteur. Hop. Mais non, franchement, les sièges, la configuration est juste magnifique en fait. Hop. Je fais toujours attention moi quand je manipule ces poignées là. Hop. J'allais dire le guidon, mais non, on est bien sur un volant. Mais pareil, c'est beau avec le petit bouton qui va bien, le bouton magique qui nous permet de changer de mode en roulant. Le clignotant qui est ici, pour les commodos, pour lave-glace, essuie-glace et autres. Donc ça c'est bien. Les palettes qui sont assez grandes, ma foi. Mais celles-là on peut pas trop les louper, je pense. Elles tournent avec le volant? Non. Non, celles-là elles sont fixes.
Ok. Et pareil, cuir en haut et Alcantara sur les deux côtés. Volant bien entendu à mes plats. Franchement, c'est très très beau. Le compteur qui est derrière, on le verra tout à l'heure en roulant, il est magnifique. Et toute la console centrale qui est donc de série aussi. De série, ouais. En piano black. Et tu me disais justement par rapport à ça, que je l'aurais bien voulu plus la version un peu plus mat satinée, mais que ce n'est possible qu'avec la version Roadster en fait. Voilà, à partir du moment où on a le Roadster, on peut changer effectivement. Je pense que Roadster, c'est noir. C'est même de série en fait. Voilà. C'est noir plus ou moins mat. Et voilà, le coupé, c'est brillant. Et le coupé, c'est en piano black et il n'y a pas d'autre option possible, en tout cas en option catalogue Lambeau. Oui, voilà. Voilà, ok. Ouais, après. Après, on peut trouver peut-être des pièces ailleurs, mais en tout cas, chez Lambeau, voilà. Exactement. Ok. Et sinon, elle a une céramique aussi. Et donc, voilà, effectivement, elle a ici un petit traitement full céramique. Ouais. Donc, forcément, quand on a ce type de voiture-là, il faut essayer d'en prendre soin et de se faciliter l'entretien et faciliter, voilà, tout en fait, et la protéger un maximum. Un coup de Karcher et il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien direct. Ouais. Garantie combien le traitement céramique? Combien de temps? Deux ans, il m'a dit. Deux ans ouais. Là, aujourd'hui, la voiture, elle a un an. Elle a bientôt 6000 km. Donc, c'est quelqu'un quand même qui roule avec sa voiture. C'est pas quelqu'un qui sort que le dimanche une fois de temps en temps. D'autant plus qu'il est très, très pris professionnellement parlant. Donc il la sort en gros dès qu'il peut. Ouais, c'est beau, quoi. Quand il fait beau, mais bon, on a la chance, il fait beau souvent. Les essuie-glaces ont dû fonctionner en environ 40 secondes sur la durée de vie de la voiture. Donc les essuie-glaces sont neufs, donc. Voilà, ils sont neufs. Ils n'ont quasiment jamais servi. Ils n'ont jamais servi. Mais voilà, très très belle voiture. On va monter dedans tranquillement et faire un tour. On va continuer à vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients de cette voiture. Et en tout cas, elle est très très belle et on fera un shooting photo également. Je vous reprends quand on est à l'intérieur. On a omis tout à l'heure de l'ouvrir. Je te laisse le soin de le faire. Ça marche. Le compartiment moteur qui est absolument magnifique. Le petit V10 de famille. Franchement, il est ouf. La plaque carbone ici, tout le carbone, en fait, tout le compartiment moteur ici est recouvert de. Enfin, est composé, en fait, c'est pas recouvert, c'est composé de carbone. C'est pas un covering ou quoi que ce soit, c'est directement le carbone. Et le moteur qui est absolument magnifique. Et qui est tout calme en mode Strada, et quand on le met en mode Corsa, il est juste complètement débile. Là, il chante et il est absolument magnifique. Le son est absolument magnifique. Et donc, ça fait un grand panneau comme ça, sur vérin, en panneau vitré. Franchement, c'est super. Même quand il est fermé, il est top. À ne pas claquer surtout. À ne pas claquer, ouais. Ça serait dommageable de le fissurer, le truc. Ça serait quand même dommage. Et t'as un petit coffre quand même devant? Ah ouais, ah ouais. Tac. Les commandes, ouais, au niveau de la voiture, enfin du poste de pilotage. Bon, on a vu que dans une GTR on pouvait rentrer à deux dans le coffre. Est-ce qu'ici c'est le cas? Tadam! Tadam! Eh ben non. Bon, ceci dit. Bon, il y a quand même de quoi mettre quelques cabine, ouais, une petite valise, ouais, cabine. Ouais. Deux, trois petits bagages ici, estampillés Huracan en plus, c'est sympa. Ouais, un petit kit bagagerie. Des gants, ouais, si jamais on doit avoir crevé pour les gentlemen, gentlemen driver. C'est ça. C'est sympa. Et voilà le petit coffre. Il a le mérite d'exister. Après, c'est sûr qu'on part pas deux semaines en vacances avec non. ça. Non, enfin, non. Sauf si on amène juste un duvet en fait. Voilà. Mais au moins ça le mérite d'exister. Et bon. Le lift, il reste, tu veux. Et yes, exact. Et tout à fait. Le lift, cette option. Ouais, de l'autre côté, effectivement. Le lift, option indispensable sur ce type de machine, qui est donc en option. Mais en fait, c'est ce qui permet. Voilà, ce son qui est magnifique. C'est ce qui permet quand on arrive sur un dodane, sur une zone un peu cabossée, etc. Regardez la voiture, qu'en fait, l'assiette en fait, de la voiture qui se lève. C'est ultra pratique et ensuite après il peut le redescendre et quand il a fini de passer des dodanes, des trous, des machins, de l'herbe, enfin ce qu'il veut, quand il est plus sûr au moins que c'est plat, il peut la redescendre et c'est top. Ça c'est nickel, mais c'est une option.
Donc ce Huracan est en configuration full origine en termes de motorisation et d'échappement, mais regardez, enfin écoutez plutôt le bruit qu'elle fait, c'est juste un régal. Tu peux y aller. C'est magnifique. Donc nous voilà à bord de l'engin. On a fait un shooting photo, franchement, on aurait pu y rester 3 heures, donc là on retrace quand même. On y est hyper bien dans cette voiture, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Julien. Moi je m'attendais à avoir un truc hyper tape-cul, enfin voilà, le truc Lamborghini, quoi, enfin, entre guillemets, la légende urbaine, tu vois, le truc inconfortable, ouais, etc. Et en fait, via les modes en fait, que l'on a dans la voiture, on croise une jolie F-Type aussi, en fonction des modes qu'on a dans la voiture, ici, on peut se mettre en mode sport. Corsa et Strada. Et en Strada, donc c'est vraiment tranquille, on est en ville, enfin tout va bien, on se balade. En sport, bah, on commence un peu à, voilà, à jouer. Et après en Corsa, ça doit être vraiment plus typé piste évidemment, ouais, ou les plus énervés sur route, hein, mais voilà. Et ce volant qui est toujours aussi magnifique, avec le compteur qui est complètement dingue, je trouve. Ultra clair, il y a plusieurs affichages, ouais. Ah, tu peux mettre là avec. Ah ouais, t'as carrément les. Si ça te jette pas. Ouais. Franchement, c'est top. Ouais, franchement, c'est ouf. Et après, c'est, voilà, c'est ultra, ultra propre. Ici, les petits compteurs, température d'eau, d'huile, la pression, pardon, température après d'huile, même la batterie qui est indiquée. Les petits boutons, ouais, qui sont là, ouais, les vitres, le lift système, le lift, voilà, donc qui permet donc de lever, hein, comme je disais tout à l'heure, l'avant de la voiture, ouais. Le SC qu'on peut déconnecter, les parking, les warnings, etc., les vitres, ça c'est ça c'est les vitres en fait, ouais, c'est ça, ouais, passager toi, tu peux le gérer d'ici, ouais, et même oui, non, même si moi j'ai envie d'ouvrir la mienne, c'est ici, c'est ça, ouais. C'est tout est centralisé, ok, ouais. Ensuite là, ouais, ça secoue un petit peu. La route est pas terrible. Le bouton magique qui fait tellement plaisir quand on démarre, c'est une boucherie qui est magnifique. Ouais, on relève le petit clapet et ouais, après on peut le faire ici, mais c'est quand même plus stylé de le lever. Ouais. Et ici, donc les différents modes, bah, de toute façon, parking, oui, boîte, ouais, manuelle, marche, ouais, arrière, et etc. Et la mini boîte à gants, c'est ça, la boîte à chewing-gum, la boîte à chewing-gum ou à mouchoir, et voilà. Et donc la fameuse console centrale qui est en piano black, donc, comme on en disait tout à l'heure. Ouais, ouais. Et que tu n'as pas pu choisir autrement puisque tu as pris dans la version coupée, il n'y a pas le choix, c'est uniquement comme ça. Avec cette surpiqûre, le cuir qui suit là-bas jusqu'à de l'alcantara, franchement qui est top, avec le vert. Et franchement, la petite finition en nid d'abeille, comme la calandre, les 2-3 détails extérieurs, toutes les grilles en fait d'aération et d'entrée d'air. Et également là, franchement c'est top. Franchement c'est top. Ça s'agite dans les voitures devant. Pourquoi, il y a quoi? Non mais je sais pas. Des fois tu sais, quand je suis repéré, tu. Ah. Les vitesses qui changent. Ah oui, d'accord, ouais. Quand on double, il faut environ 20 minutes à la voiture pour me doubler. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Elle fait un petit shooting. Ouais, improvisé en direct. Bah, toi, c'est plaisant. Ouais, exact. Non, ouais, non, s'il y a une grille, ouais, c'est compliqué, je pense, après pour rentrer. Ouais. Et toi, en termes concrètement d'entretien, bon, elle est toute neuve encore, donc t'es peut-être pas beaucoup passé souvent chez Lambeau. Mais. La clim en panne quand même. D'accord, donc, ok. En fait, il y a une fuite quelque part, donc ils ont mis un petit traceur, et puis la prochaine fois la cartouche sera vide, ouais, il pourra boucher le trou en fonction. D'accord, ok. Ouais. Donc, c'est le truc que j'ai. Ouais. Enfin, ça peut arriver, c'est dommage arriver, que ça arrive, ouais, sur une voiture à ce prix-là. Et le jour, il faisait 40 en plus, ça nous est arrivé. Ouais, tant qu'à faire, ouais. C'était chaud. Hein. Ouais. Ouais, on n'en pouvait plus. Ouais. Mais sinon, non, rien. Sinon, non, ouais. Rien. Et après, toi, en termes, tu me disais tout à l'heure, clairement, toi, grâce au lift, grâce au confort, ouais, ouais, au mode Strada, etc., c'est une voiture qui serait
ah oui, envisageable d'avoir au quotidien. Absolument, sauf pour la conso quand même. Sauf pour la conso, c'est mais. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est tellement calme en strada, franchement. Ouais, mais là, on entend pas. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de nuisance, ouais, on est bien, c'est confort. Ouais. C'est franchement très très c'est bien. C'est juste que ouais, ça consomme et il n'y a pas de place. Quoi. Et il n'y a pas beaucoup de place, oui, mais bon, ça on sait quand on l'achète. Ouais, mais... Pas ceci, comme la consommation ouais, et tout, mais. Mais après, en termes de confort, vraiment, je m'attendais à un truc de plus austère en fait, vraiment plus ferme, plus dur. D'ailleurs, à ce sujet, là, t'es en mode sport maintenant. Ouais, la route est tellement smooth là. Voilà. Mais est-ce que quand tu changes de mode, ça change effectivement les cartos, etc. Mais est-ce que ça change également l'amortissement tout est lié sur la tienne. C'est un peu plus rigide dès que tu passes en mode sport. C'est un petit peu plus rigide. Peu plus et après, en mode Carsa, c'est encore. Et en mode Carsa, j'avoue, j'ai pas trop de tu l'as jamais vrai. Ouais. Bon, en même temps, vu comment c'est déjà violent comme ça. Ouais. Et puis, on est encore sur route ouverte. Ouais, j'ai pas envie de l'enlever dans un trottoir. C'est ça. T'es pas joueur quand même, tu pourrais. Non, tu m'étonnes. Non, mais en tout cas, elle est très très belle. Vraiment. Puis on voit que t'en prends soin. Parce ouais, que, j'en prends soin. En même temps, ce serait dommage de ne pas en prendre soin avec ce type de voiture-là. Mais, mais je suis sûr qu'il y en a qui font les sagouins, même avec des voitures comme ça. Après, mais moi, c'est une voiture qui sera revendue un jour ou l'autre. Ouais. Voilà, j'ai pas envie de perdre énormément parce qu'elle aura des chutes. Ça marche bien. Ouais, ça marche plutôt pas mal. Ah ouais. Voilà, c'est. Oui. Bon, bah, je vais rien dire en fait. Là, j'ai plus rien à dire, ça s'est fait. Ah ouais, c'est trop bon. Putain, il y a personne sur cette route, c'est pas mal. On va rentrer en mode énervé. Dès que tu touches, il n'y a pas de temps de latence, il n'y a rien. C'est dès que tu touches, ça part direct. Ça va vite, hein. C'est vraiment très très bon. Impressionnant. Impressionnant. Et puis tu te sens ultra sécure. Enfin, t'as l'impression que t'es dans des rails et que qu'il peut rien t'arriver. Quoi. Non, la voiture elle ne bouge pas. Il peut t'arriver quelque chose si t'es un peu trop optimiste, mais franchement, elle est dingue. Elle est rivée au sol, c'est vraiment. Après, j'ai pas fait la route mouillée parce que. Ouais. Bon, déjà, il n'y a pas vraiment d'intérêt. J'ai moins envie de la sentir, mais. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que là. Ah non, elle est très. Très très bien. Toi, globalement, les avantages et les inconvénients, enfin ce que t'aimes et ce que t'aimes pas là dans cette voiture-là, aujourd'hui, si tu devais faire un bilan. Il n'y a pas grand-chose que. Que t'aimes pas. Non, parce que. Non, c'est que des choses qui sont évidentes à la base, quoi. La consommation. Oui. Franchement, j'étais surpris par la garde au sol parce que venant de l'Aston Martin Vantage, qui est peut-être un peu plus haute, mais qui n'a pas ce lift. Pas ce lift, Et t'es finalement peut-être un peu plus piégé. Ouais, enfin, je me suis pas fait avoir, mais je dois prendre en travers tout ça avec ça, putain, mais c'est tellement simple. Un bouton, il s'est réglé et c'est magique, quoi. Donc, franchement, pour ça, j'étais surpris. Ouais. Je m'attendais à galérer de ouf. Ouais. Puis, non, sinon, franchement, non, rien de. Pas d'inconvénient majeur. À part la place, mais ça me dérange pas, c'est pas une voiture pour partir. Pas une voiture, oui, c'est clair. Tu pars pas en famille avec. Je crois que pas d'inconvénient, quoi. À part son prix. Certes. Non, mais c'est. C'était un petit message pour vous, Lamborghini France, Monde, ce que vous voulez. Faites un effort sur les prix. Surtout que cette voiture disparaît, ce modèle. Ouais. Et du coup, on va quand même passer de. On va faire un bond de 40 000 euros d'entrée de gamme chez Lamborghini. C'est violent quand même. La pilule, il faut la. Ouais. Après, je sais pas s'ils vont sortir une Evo RWD comme celle-là, mais c'est pas prévu, je crois. Et
le regard des gens par rapport à... Parce que bon, elle est quand même très voyante. Ouais, très voyante. c'est pas comme une Aston qui est grise, enfin voilà, ou qui peut être très sobre. Ouais. Là, elle est verte pomme, enfin verte, ouais. La fameuse, fameux vert lambeau. Ouais. C'est pas du tout discret. Non, mais moi, je vois plutôt de la bienveillance. Ouais. Voilà. Le regard des gens, ouais, c'est plutôt... Des sourires. Ouais. Ouais. Des gens jaloux ou haineux, bon, il y en a toujours, mais. Ouais, il y en a toujours, mais c'est bon. A priori, toi, c'est plutôt positif le retour ouais, que tu as des gens. J'ai jamais pris de coups de clé, de trucs comme ça. Ouais. Voilà. Après, je suis pas là non plus à appuyer sur le truc en ville. Bien sûr, ouais, tu fais pas non plus ouais, chier. Voilà. Respectueux aussi. Ouais, discret. Ouais. Mais non, je pense que c'est. Ouais. Et les enfants, ils sont. C'est ouf, hein, voilà. Ouais. J'ai un gamin, c'est marrant. Ah, lui, il doit bien kiffer, ouais. Ouais, c'est stylé d'aller à l'école en lambeau. C'est, voilà, ça a été fait, ça s'est fait. Oh putain, ça doit être classe, ouais, c'est clair. Non, franchement, elle est top. Merci beaucoup pour cette PC, pour ta disponibilité, ta gentillesse, et parce qu'on se connaissait pas encore une fois, hein, donc franchement, c'est top. Je pense que les gens commencent à comprendre un peu l'état d'esprit dans lequel je suis par rapport à ces vidéos-là. Mon but, c'est pas de venir gratter, c'est pas de venir essayer les voitures, etc. C'est vraiment de profiter de partager d'un moment à deux et avec vous aussi à l'écran. Donc, un pouce, ouais, ça, encore, nickel. Ça. Ben voilà, vous voyez, les entre passionnés ou amoureux des belles voitures, voilà, ça se passe plutôt pas mal. Et donc, un grand merci à toi. On se reverra sans doute pour la prochaine. Ouais. Et parce que il y aura peut-être effectivement un projet d'une autre voiture aussi. On verra ça un peu plus tard. Mais et puis nous on se reverra peut-être sans doute en off aussi. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas un grand merci à vous d'être là pour le visionnage. Il y aura des photos, allez sur mon Insta. Est-ce que d'ailleurs tu as ton Insta dont tu veux parler ou tu veux si tu as envie. Je le mentionnerai effectivement. C'est très confidentiel. Ouais, ok, ça marche. Donc je le mettrai en description et voilà, pour ceux qui ont envie d'y aller par curiosité pour voir des belles photos, ça sera avec plaisir. En tout cas, un grand merci à toi, à très bientôt. À bientôt. Et puis à vous, à très bientôt également. N'oubliez pas, Cars & Yo, à très bientôt. Ciao, ciao.